aujourd'hui, on a parlé du rôle de l'agriculteur pour participer à l'ambition environnementale que s'est fixée l'Union européenne. Et là, il faut, je dirais moi, qu'on ait deux éléments en tête. L'environnement, mais aussi le revenu des agriculteurs. C'est ce que j'ai toujours défendu. Et là, avec ce texte sur le carbon farming, c'est une opportunité pour le monde agricole. Un, eh bien, de montrer les efforts qui sont faits par les agriculteurs qui non seulement séquestrent du carbone, mais il faut aussi reconnaître qu'ils font baisser les émissions, qui a ce double enjeu. Et puis d'un autre côté, eh bien, ce mécanisme qui est en train de se mettre en place, cette certification carbone, doit aussi être l'occasion pour assurer un revenu supplémentaire à l'agriculteur. Parce que l'agriculteur fait des efforts. Beaucoup de normes, de nouveaux textes qui vont arriver. Et là, c'est l'occasion, avec ce mécanisme, d'accompagner la transition. Et ça doit se faire avec, je dirais, de l'argent frais. Il ne faut pas utiliser l'argent de la PAC. Mais en tout cas, c'est un mécanisme vertueux, que ce soit en termes d'environnement, de lutte contre le changement climatique et en termes de revenus au monde agricole. Parfait. Merci beaucoup.